secte de bandits sous la coupe d'une sirène mangeuse d'âmes? Une guerre industrielle sur Prométhée? On est dans la merde, ça fait plus aucun doute. Continue à te battre, pour Lilith. Faut bien que quelqu'un le fasse. Allez, grimpe quand tu voudras! Je cracherai pas sur un coup de main pour, bah, tous les tuer. Ce sera bien d'avoir quelqu'un à mes côtés, en plus de mon apprenti, qui a pas fait vœu de non-violence. D'ailleurs, à ce propos... À très vite. Thank you.
Alors comme ça, tu traînes avec les pillards. Enfin, c'est normal. Lilith a dû me remplacer. Ça te dit un peu plus d'action ? Maliwan, c'est des gros nazes suréquipés. Un bon coup de pied dans les couilles. C'est bien ce que je pensais. Suis-moi. On va retrouver mon apprentie, en espérant qu'elle soit toujours en vie. Le fragment est enfermé dans un ermitage éridien. Des religieux ont construit le monastère autour parce qu'ils trouvaient le lieu sacré. C'est peut-être le cas, mais là, tout de suite, c'est surtout un aimant à trous de balles. Je suis revenue de Pandore pour protéger cet endroit. Tout se passait plutôt bien, jusqu'à ce que Maliwan nous trouve. Votre attention, moine pacifiste crétin! Ici l'oppresseur tremble! C'est pas juste un titre honorifique, je suis vraiment oppresseur de métier! Athéna, c'est désormais la propriété de Maliwan! Défense d'entrée! Ah, c'est 30. Un gigantesque casse-couille. Il n'a pas encore réussi à entrer dans l'ermitage, mais vaut mieux pas miser sur son incompétence. Alors écoutez-moi, les moines. Je sais que vous pensez que je fais ça parce que j'adore vous terroriser, mais c'est juste parce que je veux que mon grand frère soit fier de moi. Il est général, vous savez, et ça me colle un sacré complexe d'infériorité. Alors, si je dois faire cramer tout votre monastère pour l'impressionner, j'hésiterai pas. Vous me comprenez, pas vrai? Mais oui, vous me comprenez. Sécurise la place. Quand ce sera fait, on sonnera la cloche de la paix pour que les moines nous laissent passer. On s'est fait une bonne énergie! C'est dégagé. Quand on n'est pas en guerre, les cloches de la paix sonnent toutes les heures, jour et nuit. Entre nous, c'est un peu un cauchemar.
Maya, où est passée la petite? Elle doit chercher les ennuis. Elle les cherche ou elle les provoque. Que les six tempêtes te protègent. Il a raison, je dois retrouver mon apprenti. Ava, tu gardes toujours la bibliothèque? Maya, oui, je suis à la bibliothèque, c'est bien ça, parce que tu m'as dit d'y rester. Sans bouger, alors c'est toujours là que je suis. Ça c'était... un livre, faut que j'y aille, allez tchuss! Oh, Ava est montée sur ressort. Elle est incapable de rester en place. Mais c'est pour ça que je l'ai recueillie. Soit elle allait finir par se faire tuer, soit je pouvais lui apprendre à, survivre. Votre attention, moine d'Athénas! Ici le capitaine Trent! Donnez-nous immédiatement le fragment de la clé de l'Arche! On sera forcé de vitrifier votre planète sereine à la con! Je veux dire par là qu'on la fera péter! Bordel! J'attends mon travail! On fait dans le concret! Chasseur de l'Arche, si t'avais été là quand l'invasion a commencé, on aurait peut-être pu résister. Allez, sonne la cloche. Il va me falloir de l'iridium pour entrer dans l'ermitage. Ça renforcera mes pouvoirs de sirène. Et ma foi, tant qu'on en parle, t'es pour ou contre le pillage de tombes? J'ai fait pire. Vachement pire. Je plaisante pas. Bien. Tu trouveras de l'iridium planqué dans le cimetière. Quelque chose me dit qu'Ava y est déjà. Elle t'aidera. Je suis encore jamais entrée dans l'ermitage. Il y a des protections iridiennes tout autour, mais je devrais pouvoir passer. J'ai lu un truc dans mon livre sur les techniques anciennes des sirènes. Je vais aller le chercher, puisqu'il n'y a personne à la bibliothèque. Je te rejoindrai après. Ça te va si je t'emprunte ça? Merci, à plus. Oh, salut! Je faisais que passer pour piller des cadavres. Mais attends, t'es vraiment chasseur de l'Arche? Comme Maya avant? Tu pars à l'aventure, tu sauves l'univers, tu tues des méchants? Ouais, je passe mes journées à tuer des méchants. C'est plutôt cool. Ouais! Trop cool, je crois que mon cœur va lâcher! Moi aussi, je veux être chasseur de l'Arche. Mais il faudrait déjà que Maya arrête de m'envoyer surveiller une vieille bibliothèque pourrie ou regarder une flaque pendant des semaines. Désolée, c'est juste que je me fais un peu chier. Bon alors, on se le pille, ce cimetière? Tu veux quoi à la porte? Rien, ma salope! Tu la fermes et tu t'ouvres! Allez! Oh merde! Votre attention, tout le monde! Ici le capitaine Trent. Les moines sont dans le cimetière. Tuez-les tous, que je sois fier de vous. Puis ce sera l'heure du goûter. Je vous paierai une petite friandise. Ouvrir cette tombe sans problème. Qu'est-ce qu'il y a à la tombe? Rien, hein? D'après Maya, les moines mettent de l'iridium dans les tombes pour que les morts aient un peu de fric à dépenser dans l'au-delà. On les remboursera plus tard. Si jamais on survit. Trop nul. Mais j'ai d'autres idées pour qu'on aille fouiller.
vais lui péter le cul. Ici le capitaine Trank. Oui, encore. Pourquoi vous vous défendez comme ça, bande de nettoyeurs de statues? Je veux dire, je pensais que vous étiez à fond dans le zen et ces conneries. Arrêtez immédiatement de vous rebeller ou je réduis votre petite planète tranquille en poussière. Tu vas tuer ces types et leur faire les poches. Les rats, c'est juste trop moche. Enfin bref, ils doivent mourir. Ils ont mangé tout l'iridium. Mais il va en falloir vachement plus à Maya. C'est la dernière. Ensuite, on pourra aller chercher le fragment. Merde, je crève d'envie d'entrer dans l'ermitage depuis que je suis arrivée. Je sais pas pourquoi, les portes fermées, ça me fait frétiller la groseille. Apportez ça à Maya.
Maya veut pas que je m'amuse avec elle en combattant Maliwan. Mais tant pis! Ce 30 est un gros naze! Je veux lui tabasser les bourses en personne! Après, honnête, pour avoir la paix. Ava, va protéger les réserves de céréales. Laisse le chasseur de l'arche s'occuper de Maliwan. Oh, compris, Maya. J'y vais. Je fais jamais rien à part protéger des archives ou des réserves ou des conneries sacrées. On se revoit plus tard, chasseur de l'arche. Dis donc, Ava t'a vraiment à la bonne. Je serai toi, je surveillerai mes poches. Elle s'était planquée en douce sur un de nos vaisseaux marchands saisonniers. Elle a tenté de voler mon livre. Et plutôt que de l'acheter d'une falaise, j'ai décidé de la prendre sous mon aile. J'ai pris mon livre, je te rejoins d'ici une seconde. Faut juste que je termine... Thank you.
Ah, il s'appelait Trent. T'as trouvé l'iridium? Passe-le-moi. Jour après jour, nous tournons en rond, remettant notre vie en question. J'ai jamais su me servir de l'iridium comme fait Lilith, mais j'ai trouvé une technique dans ce bouquin qui devrait m'aider. Ok, donc... voyons un peu. Jour après jour, nous tournons en rond, remettant notre vie en... Oh, merde! Je crois que je pourrais verrouiller une planète entière, là! Wow! Montre-moi comment on fait! Ouh! Je pourrais m'habituer à ce genre de pouvoir. Ok. On va prendre le fragment, chasseur de l'Arche. Alors, Ava, t'as survécu à l'invasion? Comme quoi, ça t'aura quand même servi toutes ces heures passées à scruter l'eau? Je peux me débrouiller toute seule. J'ai appris à me battre bien avant de te rencontrer. Eh ben, vas-y. Oh, ben tu sais, je voudrais bien, mais... il faut que je trie mon matos.
Non. Fais ta valise. On va faire ce que tu veux. Suivre le chasseur de l'arche. Quoi? Pour de vrai? Je veux dire... Ouais, cool, si ça te chante. Pourquoi pas, je vais chercher mes affaires. Chasseur de l'arche, regarde ça. Les Eridiens ont laissé des messages comme ça partout dans la galaxie. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien entre les sirènes et les arches. Je comprends pas ce que je lis, mais ça veut forcément dire quelque chose. Cette relique était déjà là bien avant ma naissance. Mais tant que Maliwan saura qu'elle est là, Athénas sera en danger. Je préfère te le dire avant que je l'explique à Lilith. Si j'ai pris Ava comme apprentie, c'est pour une bonne raison. Elle va devenir une sirène. Un jour. Et je veux être sûre qu'elle sera prête quand ça viendra. On se retrouve là-haut, chasseur de l'arche. Un fragment de la clé de l'arche. Apportez-moi ça. Je vais le garder pendant que vous crapahutez en quête des autres morceaux. Bonjour, humaine semi-adulte. Je suis... Claptrap! Oh merde, alors j'ai vachement entendu parler de toi! Plaît-il? Ben ouais! Ton combat contre les Garogo et le Capitaine Flint et les escaliers! Je demande tout le temps à Maya de me raconter. Donc, tu aimes qu'on te parle de... ma coulitude? Ben oui, hein! Alors vraiment, tu tombes bien! Approche, ma nouvelle équipière favorite! Je vais te raconter comment mon petit cul a littéralement sauvé tout le vaisseau! J'étais là, encerclé par des crétins finis incapables de faire la différence entre un moteur à implosion et un vieux sandwich aux œufs avariés. Faites attention que je leur dis, c'est du matériel de pointe! Mais non, personne ne m'écoute. Alors ils ont décollé, sans s'inquiéter des protocoles de sécurité, et tout le vaisseau s'est mis à l'envers. Un autre fragment de la clé de l'arche? Rien qu'à le sentir dans ma main, ça me retourne l'estomac. Il faut dire aussi que j'ai mangé un vieux burrito de Marcus. Si vous vous posez la question, non, ce n'est pas la clé complète. Les Eridiens ont eu l'idée farfelue de scinder leur clé en fragments, et celle de Pandore était en trois parties. Enfin, c'est un début. Retournez voir Lilith. Je suis sûre que Maya et elle ont des milliers de choses à se raconter, comme tous ces gens qui ont une vie sociale. Quelle horreur! Je préfère mille fois une chambre stérile remplie de matériel chirurgical. Comment ça, une apprentie sirène? Je peux pas t'expliquer maintenant, Lilith, mais un jour, elle va devenir une sirène. On en reparlera plus tard. Ah, salut! Maya me dit que t'as fait un super boulot. Deux brutasses ensemble, c'est forcément explosif. Je veux bien le croire. Bon, on a un fragment, plus que deux. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, Lilith? Pourquoi Maliwan est sur Athénas? Ça fait des générations qu'on garde le secret pour notre fragment. Comment ils ont fait pour le découvrir? Je sais pas trop, mais les Calypso ont l'air d'en savoir plus sur les Arches que nous tous ici, même Tanis. Ils savaient pour la carte des Arches. Ils ont peut-être dit à Maliwan d'envahir Athénas. D'après ce qu'ils disent, ils cherchent la Grande Arche, et l'Arche de Prométhée doit faire partie de leur plan. Il faut qu'on la trouve avant eux. Promis, Faucon Ardent. Ça fait longtemps que plus personne m'appelle comme ça. Lilith,
Ça fait un bail. Alors, tout roule ? Waouh ! Sympa, la moustache. Ah, merci. C'est ma moustache de guerre. Écoutez, je vais devoir vous demander un petit coup de main. Katagawa a installé un laser sur un astéroïde et il le pointe sur le QG d'Atlas. Il menace de me couper en deux si je ne me rends pas. Je suis en train de flipper là. Je pète un câble. Oh, et d'après Zéro, le laser serait alimenté par un fragment de clé. N'en dis pas plus. Alors... on arrive. Ah, là on parle. Vive les alliés. Terminé. Descends à la surface et va aider Rhys avec son laser. J'espère que Rhys sait ce qu'il fait. Lilith dit qu'on peut compter sur lui, mais moi je fais pas confiance au moustachu. C'est la base.